Thank you.
centaines de bénévoles qui avaient permis ce rassemblement. À vous qui êtes venus de si loin, les Marseillais, les Toulousains, les Niçois, les Tarnais, de toute la France, vous êtes la fierté et l'honneur de la patrie qui ne se laisse pas insulter comme elle l'a été pour la première fois de son histoire. Car jamais auparavant, personne n'avait jamais parlé au peuple français de cette façon. Ni les rois, ni les gouvernements engagés dans la confrontation, la culture avec le peuple, n'avaient traité les Français de fainéants, de cyniques, de névrosés, d'ardeurs, d'abrutis. Personne ne nous a jamais parlé sur ce ton. C'est pourquoi, en vous rassemblant, vous autres qui nous écoutez, quand bien même peut-être ne partagez-vous pas toutes nos idées et nos aspirations, vous êtes comme nous, des indignés qui n'acceptent pas qu'on leur parle sur ce ton. Pardon, monsieur. C'est la rue qui a obtenu la reconnaissance du droit de créer des sections syndicales, a obtenu la quatrième semaine de congés payés et 30% d'augmentation du SMIC en 1968. C'est la rue qui a fait reculer la loi de Vaquer sur la sélection à l'université. C'est la rue qui a abattu le plan Juppé. C'est la rue en 2006 qui a obtenu le retrait du CPE. C'est la rue qui a obtenu le droit au logement opposable grâce à la mobilisation des associations. C'est la rue en 2008 qui a obtenu le retrait du plan Darcos sur la réforme du lycée. C'est la rue qui a obtenu, suite à la grève générale dans les Antilles, la surcompensation de 200 euros sur les bas salaires. Et ainsi de suite, c'est la rue toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement. La démocratie est en tout. Nous adressons dans ce jour un salut fraternel à tous les syndicalistes qui ont ouvert notre chemin et qui, le 12 septembre, le 21, demain lundi et ensuite le 28 septembre pour les retraités, vont continuer ces efforts
qui les oblige à perdre une journée de salaire dans ce mois de septembre où arrivent à la fois les impôts locaux, les frais de la rentrée scolaire, le tiers provisionnel. Ah, quel courage à ce peuple d'entrer dans l'action comme il le fait. Des ordonnances. Ce n'est pas seulement le contenu antisocial qu'elle porte en elle. C'est la subversion de l'ordre public social républicain qu'elle contient. Nous sommes ici au pied de la République en défense de la République. Car la République en France est nourrie, alimentée et en quelque sorte toute faite d'intention sociale. En République française, au-dessus de tout, il y a la loi. Car la loi est la même pour tout le monde et elle s'applique de la même manière à tout le monde. La loi, mais il y avait une condition, c'est que ces arrangements ne pouvaient être plus favorables. C'est le principe de faveur. L'ordre social républicain dit que la loi est fixée par les citoyens et que les corporations sont d'un niveau inférieur pour déterminer la norme. Normatif dans l'entreprise. Et cela pousse à un dumping social terrifiant, car les patrons qui veulent garder les bons ouvriers, les bonnes ouvrières, et qui décident de les payer correctement, conformément à la richesse qu'ils produisent, car seul le travail humain produit de la richesse. Le capital ne produit rien. Eh bien,
ces gens se trouveraient alors explosés entre mille et un droits différents. D'abord. Et ensuite, mes chers amis, je sais que ces questions sont techniques, mais il nous faut tous les apprendre. Ces questions sont techniques, mais elles ont un fond pour changer notre vie. Voilà pourquoi il faut étudier avec soin ce qui se passe. C'est un coup d'état social par la méthode de la brutalité. On a demandé aux parlementaires d'annuler un code du travail sous prétexte qu'il était trop important et nous n'avons pu discuter une seule ligne, un seul adjectif, une seule virgule sur des milliers de pages qui concernent votre vie quotidienne. Et là où vous aviez une loi, vous aurez dorénavant 700 lois suivant les branches et des milliers de lois différentes suivant les entreprises. Ceux qui voudraient bien payer leurs ouvriers se verraient bientôt mis en concurrence avec ceux qui voudraient les payer moins bien. Et voilà comment l'ordonnance Macron provoque le dumping social et pousse à bout toutes les relations sociales vers le conflit. Voilà ce qu'ils ont organisé et planifié. C'est nous, la force déterminée et tranquille. Portons la paix dans les relations sociales, là où ils allument la guerre et la vindicte. Détruisent tout ce que nous avons construit, nous, nos pères, nos mères, nos grands-mères et nos grands-pères. Regardez, l'hôpital public était réputé comme le meilleur du monde, comment ils l'ont désorganisé. Regardez l'école où avec 317 000 élèves de plus, ils ont réussi à fermer 4 000 collèges, lycées et écoles. Privant la France et nos enfants de la principale richesse dont nous disposons, notre cerveau, notre intelligence, notre savoir qui est la principale richesse de ce pays. Nous commençons à connaître les premières générations d'enfants abandonnés et déscolarisés du fait de ce saccage de l'éducation nationale, de notre bien le plus précieux dans la patrie à travers le temps. Yeah.
voyez comment ils sont en train de saccager le logement social. Non seulement avec cette histoire d'APL, ils retirent aux gens qui ont le moins, car les trois quarts de ceux qui vont voir cette APL diminuer appartiennent à la proportion la plus pauvre de la population et appartiennent à la population jeune et féminine qui tout le temps subit le pire chaque fois qu'il y a une régression sociale. Pendant qu'ils saccagent, c'est au point que même la très pacifique Union des HLM se retire de la discussion avec le gouvernement et qualifie sa réforme inepte de stupide, capable de ruiner le logement social en France, alors qu'il y a 1 800 000 personnes qui attendent de pouvoir se loger dans une HLM, alors qu'il y a des dizaines de milliers de gens sans toit, alors qu'il y a 31 000 enfants qui n'ont pas un toit sur leur tête. Voilà tout ce que ces gens ont trouvé à faire. Bientôt, ils se préparent à s'attaquer au droit à la retraite. Et déjà, ils frappent les retraités à coups redoublés. Et ces braves gens, ordinaires, pacifiques et plutôt bienveillants, sont à présent presque aussi enragés que nos jeunes gens. Avec vous, je crois que je porte votre parole à cet instant en leur disant ça suffit, ça suffit, ça suffit. Résistance, 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 résistance.
Il y a, comme le texte va revenir devant les assemblées, bientôt nous en connaîtrons la date. Et nous serons en état, peut-être, je le souhaite, notamment avec le mouvement social et les organisations syndicales, si elles le souhaitent, et nous sommes prêts à nous ranger derrière eux. Mais ce sera pour une action forte et intense, comme par exemple déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Nous connaissons la force des organisations syndicales et des salariés. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est d'adresser un signal d'une puissance extraordinaire au pays et aux salariés qui savent qu'ils ne sont pas seuls, puisque vous voici tous rassemblés à leur côté, autour d'eux, avec affection et fraternité humaine. Nous allons donc nous rapprocher de ces organisations syndicales pour leur proposer, si elles le veulent, de se mettre à notre tête pour conduire le combat. Est-ce un combat qui soit déterminé, décisif et tous ensemble? Que sais-je encore, de se rassembler dans cet état d'esprit rebelle et insoumis qui est la caractéristique de la patrie des Français.
Oui, les forains. Ça va, les Parisiens? On va soutenir les forains? Ben voilà, c'est formidable. Vous avez bien raison, messieurs. Les forains, vous savez, c'est toujours pareil. Voilà, se faire voler, ça fait jamais plaisir. C'est un travail dur, c'est un monde ouvrier, ça aussi. C'est un monde de travailleurs. Hein, qui travaillent avec leurs mains, peut-être, mais bon. Allez, on va faire une petite chanson qui a l'histoire de Disney. Hein? Tu vas prendre la tête. Regardez la France. On va essayer de se couper avec une telle enfilade de provocation et de déni de démocratie. À peine les ordonnances. Quand je visite un pays, j'y vais faire les. Le Chida est quasiment le même jour. Il apprend que sa petite Chida accorde libre-échange avec le Canada. Le Chida, ce n'est pas seulement ce que vous en avez amis, c'est-à-dire l'abaissement des normes environnementales, l'abaissement des normes sociales, l'apparition dans vos assiettes, jusqu'au monde OGM, et je ne sais quelle autre invention de cette sorte, mais surtout, le CETA, l'accord de libre-échange, c'est dorénavant la possibilité pour les multinationales de ne plus répondre de leurs actes devant les lois des États dans lesquels elles exercent. Dorénavant, avec l'institution des tribunaux d'arbitrage, il existera une loi particulière pour les entreprises multinationales. Et ces entreprises pourront non seulement mettre en cause des lois existantes et exiger des réparations si vous décidez de leur interdire de faire ceci et cela. Et c'est comme ça qu'on a vu les cigarettiers demander à l'État australien de leur payer les cigarettes que les Australiens ne fumeraient pas du fait d'une loi anti-tabac. Il faut que vous expliquiez autour de vous que le capitalisme de notre époque est le premier ennemi de la démocratie, que la liberté et la volonté de disposer de soi et dans le peuple, et que son pire adversaire autoritaire est le capitalisme. L'Espagnol nous regarde, et ainsi de suite. Mais depuis maintenant
souvent avec des tentatives de menacer les règles du tyrannisme. Il était question de nous faire passer de force dès qu'il nous montrait la résistance. Toute l'Europe a craqué. D'abord, les salariés allemands, la classe ouvrière, la mieux organisée, la plus nombreuse et la plus unie de toute l'Europe, trahie par les Schröder et les autres sociaux-démocrates, qui ont aboli les droits qui faisaient la fierté de ce pays, bien qu'aujourd'hui, on trouve en Allemagne 12 millions de pauvres, des millions d'enfants pauvres, des gens qui sont au travail pour à peine quelques heures dans une semaine et des pays de misère. Voilà ce qu'est le modèle qui nous a été proposé. Et alors tous ces gens regardent et disent « Mais les Français, ils ne cèdent jamais ». C'est vrai, on essaye. Mais nous savons que pour eux, les oligarques, ceux qui vont mendier à Berlin auprès du gouvernement allemand de Mme Merkel, son approbation, ses félicitations, ils veulent être les meilleurs élèves de la classe de l'austérité et de la lutte contre les droits des salariés. Pour cela, ce qui est en train de se tramer, c'est la bataille de France. Oui, ils ont commencé contre le peuple français une offensive générale qui touche à toutes ses conquêtes sociales, son école, sa santé, son logement, ses retraites et le droit lui-même. Voilà l'offensive qui est lancée contre nous et c'est à cette offensive que notre rassemblement aujourd'hui est la première réplique de masse. Thank you.
naturel. Chimère et intermittent. Trop plein de chansons et tout le bordel. Trop plein de chansons et tout le bordel. Il fait du zèle et du reste. Il n'a pas d'idée, pas d'opinion. Toujours prêt à retourner sa veste à la première occasion. Avec sa place de parking et ce ticket restant. Il a pas eu l'âme de viking. C'est un agent obéissant. Tout le pays est appelé à la lutte. Et c'est le moment pour moi de m'adresser à la jeunesse. Toute la jeunesse. Car à partir de l'âge de 16 ans, âge auquel je pense qu'on devrait avoir le droit de vote, puisque à partir de 16 ans, on peut exercer l'autorité parentale, puisque on peut être émancipé à partir de l'âge de 16 ans, puisque on vote aux élections prud'homales à partir de l'âge de 16 ans. Et parce que 16 ans, c'est la date de la fin de la scolarité obligatoire, ce qui signifie, jeunes gens, une partie de ceux avec qui vous faites vos études se trouve à partir de l'âge de 16 ans à entrer dans la vie. Jeunes gens, c'est votre devoir à présent d'entrer dans l'action. Car c'est vous d'abord qui allez être frappés par le monde qu'ils sont en train de construire. C'est vous qui, en arrivant sur le marché du travail, trouverez des contrats précaires, les CDI de chantier et ces autres inventions terrifiantes qui brisent les vies. C'est vous, jeunes gens, qui, lorsque vous serez en apprentissage ou dans votre premier emploi, aurez ces abominables pailles précaires qu'a inventé M. Macron et les autres oligarques qui n'ont jamais eu de problème de logement pour leurs enfants. Vous avez compris le bail précaire? Non, vous n'avez pas encore complètement compris. Ça veut dire que quand vous viendrez pour avoir une location, on vous demandera votre contrat de travail, d'apprentissage. Et vous aurez droit à un bail pour être dans ce logement tant que dure l'apprentissage pour le contrat de travail à durée déterminée. Et le jour où il s'arrête, vous perdez votre boulot et votre appartement. Voilà ce que ces gens ont inventé. Jeunes gens, dans les lycées, dans les facultés, dans les centres d'apprentissage, mettez-vous en mouvement. Mettez-vous en mouvement. Mettez-vous en mouvement. Un gouvernement populaire, honnête, républicain, en arrivant aux affaires, que ferait-il avant toute chose? Il s'occuperait des enfants sans toit, il s'occuperait des pauvres, il s'occuperait des 2,5 millions d'illettrés, qui sont des gens pleins d'intelligence et de cœur, mais que l'illettrisme paralyse dans leur créativité quotidienne. Il se précipiterait pour aller donner à l'hôpital public la possibilité de s'occuper de chacun avec soin, sans martyriser les personnels hospitaliers. Voilà ce que ferait un gouvernement populaire, honnête. Il ne donnerait pas 10 milliards à ceux qui ont déjà tout. Vous le savez, vous autres, le pays est devenu le record d'Europe des millionnaires. Et ces gens se partagent plus d'argent entre eux chaque fois qu'on leur fait des dégrèvements d'impôts. Ils ne les remettent pas dans la production, ils se les partagent en dividendes entre eux. Si bien qu'au lieu d'investir, ils accumulent dans la bulle. Nous autres tous, nous avons un immense défi à relever. L'infinie patience du peuple règle toujours son compte politique démocratique à qui le trompe. Lui, il ment. Il cherche à le mystifier, mais ce n'est pas tout. Il vous reste à apprendre un petit cours de droit constitutionnel. Mesdames et messieurs qui me posez cette question, nous ne sommes pas en dépit des apparences aux monarchies. Il existe encore un encombrement
s'appelle le Parlement, dont on a essayé de vous faire croire qu'il était une caverne de brigands, que finalement tout irait mieux, une fois pour toutes, quand on aurait moralisé des comportements, si bien que nous avons été tous mis dans le même sac que quelques bénéficiaires de dons de costumes et d'emplois familiaux. Mais faites bien attention, les gens, écoutez-moi, parce qu'ils disent que nous sommes des démagogues, et c'est eux les démagogues. Cette manière de montrer du doigt tout le temps la représentation parlementaire, de dire sans arrêt qu'il y a trop d'élus, qu'il y a trop de communes, qu'il y a trop de départements, qu'il y a trop de régions, c'est une manière de réduire la décision publique à la petite caste, à la petite camarilla des éternels embusqués qui passent de l'industrie privée, la banque, les hautes fonctions publiques, 200, 300 oligarques qui sont là, toujours puissants, toujours aux manettes. Donc, il vous reste à apprendre que si les apparences vous disent que nous serions dans une monarchie, eh bien, il n'en est rien, parce que pour que les ordonnances et force de loi, il faut qu'elle repasse devant le Parlement. La bataille n'est pas finie. Elle commence. Décider de leur interdire de faire ceci et cela. Et c'est comme ça qu'on a vu les cigarettiers demander à l'État australien de leur payer le cratère du volcan, une capacité de résistance qui leur donne du courage et de l'espérance. Le peuple grec nous regarde, le peuple espagnol nous regarde, et ainsi de suite. Mais depuis maintenant plus de 11 ans, avec cette tentative de constitutionnaliser les règles du libéralisme, qu'il était question de nous faire passer de force et qui nous ont été imposées en 2005, toute l'Europe a craqué. Et d'abord, les salariés allemands, la classe ouvrière la mieux organisée, la plus nombreuse et la maintenant, plus disciplinée de tous. Ne lâchez rien, la bataille ne fait que commencer. Grâce à vous, on a vu cette déferlante du peuple. Grâce à vous, le courage se répand. Grâce à vous, la résignation recule, la peur, la consternation. Allez les gens! Allez, au bout du mouvement social, au bout de la rue, souvent, il y a les élections.
sa gueule.